Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises, la création des bureaux d'information sur le crédit en vue de favoriser l'accès au crédit pour les personnes physiques et morales. L'objectif visé est d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, un nouveau code minier destiné à dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire a été adopté par le gouvernement lors de ce conseil et on en parle avec Jérôme Koufia-Boulet. Le code minier en Côte d'Ivoire, une disposition qui pour le gouvernement s'avère nécessaire. Par conséquent, cette disposition a fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres ce lundi 2 décembre 2013 au palais présidentiel. Le projet de loi portant code minier. L'objectif est de dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire et de relever le potentiel minier de notre pays. Ce nouveau code moderne va permettre d'assurer à l'État de Côte d'Ivoire des revenus plus importants, va permettre de garantir aux opérateurs privés une rentabilité meilleure de leur exploitation, va permettre d'assurer aux populations riveraines des retombées socio-économiques plus importantes, donc faire en sorte que les établissements miniers installés là où ils sont contribuent au développement local de la région. Et ce projet prend également en compte les évolutions sur le plan environnemental. Le Conseil, avant de fermer ses portes, a pris un autre rendez-vous, le rendez-vous de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va se tenir à l'occasion de la visite d'État du président de la République entre le 10 et le 14 décembre prochain dans la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Les populations riveraines de la mine de manganèse de Bondoukou peuvent retrouver le sourire. Elles pourront désormais bénéficier des retombées de l'exploitation du manganèse dans leur localité. Un comité de suivi et de développement communautaire vient d'être mis en place par le ministre de l'Industrie et des Mines. Son rôle, écouter les populations, recueillir leurs préoccupations et y apporter des réponses. Ce lundi 2 décembre est célébrée la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, une journée qui vise à sensibiliser les populations, mais surtout à interpeller les États sur les pratiques d'esclavage dont sont encore victimes des personnes défavorisées. Un esclavage qui se manifeste sous différentes formes, souvent camouflées. Travail servile, esclavage domestique, prostitution, mariage forcé. L'esclavage a donc changé de visage aujourd'hui et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. 500 militaires congolais devront faire partie de la mission internationale de soutien à la Centrafrique ont commencé à rallier Bangui depuis hier. La durée de leur mission de paix en République centrafricaine est de 6 mois maximum et l'état-major congolais leur a donné des instructions fermes portant essentiellement sur la discipline. Les préparatifs du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré prévu à Dakar au Sénégal avancent. La deuxième commission oratoire internationale a commencé aujourd'hui avec pour objectif de préparer les éléments nécessaires à la tenue du procès de l'ancien président tchadien poursuivi pour les crimes commis durant sa présence au pouvoir entre 1982 et 1990. En Thaïlande, les affrontements se poursuivent et la mobilisation ne faiblit pas dans la rue. Ce lundi encore, des milliers de manifestants qui réclament la démission de la première ministre ont pris pour cible le siège du gouvernement dont ils ont bloqué les accès. Les forces de l'ordre tentent avec beaucoup de difficultés de disperser la foule avec des tirs de gaz lacrymogènes. La police a émis un deuxième mandat d'arrêt contre le chef de ces manifestations au motif d'insurrection. Et s'il est mis à exécution, le chef de file de ces manifestations est passible de la peine de mort ou de la prison à vie. La tension est aussi vive en Ukraine. Après la marée humaine qui a déferlé sur Kiev hier, l'opposition ukrainienne reste mobilisée ce lundi et le centre de la capitale est occupé par les manifestants qui bloquent les accès au siège du gouvernement et réclament le départ du président qui garde pour l'instant le silence. Des manifestations similaires s'étendent à d'autres villes dans l'ouest du pays. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.